FO a été l'acteur principal des négociations avec le ministère lors du Ségur de la Santé, ce qui a permis à tous les agents des hôpitaux d'obtenir 183 euros supplémentaires sur leur fiche de paye. De plus, pour les personnels soignants, FO a obtenu de nouvelles grilles salariales, mais le combat continue afin que tous les agents de toutes les catégories aient les mêmes avantages. FO sera toujours opposé à tout recul de l'âge de départ à la retraite. FO continue de réclamer le rattrapage de perte de pouvoir d'achat par le gel du point d'indice depuis 2010, perte estimée à 22% par l'INSEE. Les 3,5% octroyés au 1er juillet sont loin du compte. Localement, le syndicat FO a négocié avec la direction générale lors des négociations collectives qui vont permettre des avancées significatives pour les agents, notamment en termes de télétravail, de déprécarisation avec la stagiérisation dans les mois qui viennent de plus de 500 agents, la création d'une unité centrale de remplacement de 25 postes et la majoration des heures supplémentaires. FO sera toujours à vos côtés pour défendre vos intérêts.